So, guys, I just want to say hi. I'm Adriana. This is Miss Kazumi. Hi, everyone. So I know I had a lot of people who were super excited. Totally counts. See, it counts. Totally counts. What? I'm pretty sure going down or otherwise having to keep men and women separate. or what about saying, like, I love you? That's a body. Yeah, yeah, for sure. The reason why I think I have so much, like, when people are like, no way, 5,000. I'm like, for sure, because when I used to go to festivals, I'd be like, if you can find me, I'll give you a free blowjob. So I've literally, like, at festivals, I think in one night, you have, like, 50 or 60 blowjobs. And, like, they're a three-day event. Completion? For sure, yeah. No way. And I even got most of them aside model releases. How are you not dead? Like, I know. I mean, I always, like, when I did those, like, random stranger gangbangs, I guess they were wearing condoms. So yeah. Guess, like, but luckily, I'm alive. Yeah. So. Adriana, quand même, t'exagères, là, quand même, hein? Là, t'exagères. En plus, moi, quand j'ai vu ça au début, je croyais que c'était 5000. Alors, au-dessus de 5000. Déjà, moi, je sais même pas comment tu fais pour compter. Déjà, tu peux rajouter un coefficient au moins 2, 3. Parce que si elle pense que c'est au-dessus de 5000, ça veut dire qu'on est au moins peut-être sur du 10 000. Parce qu'honnêtement, quand tu arrives à ce genre de chiffres, même moins que ça, tu sais pas avec le nombre de personnes avec qui tu as couché. Comment tu fais pour savoir ça? Moi, je suis toujours impressionné sur les gens qui disent « Ouais, j'ai couché avec tant de personnes. » Mais comment tu fais pour savoir? Alors, à moins que tu aies connu peut-être 5, 7, 10 personnes, ok, tu te rappelles, mais en vérité, comment tu fais pour te rappeler? Tu sais, même quand les meufs, elles disent « Ouais, elles disent en body count, elles disent « Ouais, moi, j'ai couché avec tant de gars, etc. » Comment tu fais vraiment pour te rappeler? À moins que tu notes. À moins que tu notes, tu prends des notes, ok, tel jour, à telle heure, ok, voilà. Mais sinon, comment tu fais pour te rappeler? Tu peux pas te rappeler de tout le monde, c'est pas possible. À moins que... Mais non, tu peux pas te rappeler de tout le monde. À moins que tu notes. Parce que réellement, gars, si jamais tu commences à réfléchir, tu fais genre, attends, alors, 4, ouais, 5, 4. Mais bon, du coup, au début, quand j'ai entendu sur Bodycard que c'était au-dessus de 5000, quoi, elle l'a annoncé, je me suis dit peut-être que c'est dans l'industrie, elle a dû tourner plein de films, elle a fait plein de scènes, mais ça me paraissait quand même énorme, tu vois, parce que bon, je pense pas qu'elle ait fait 5000 acteurs, tu vois, enfin, ça doit forcément peut-être être à l'extérieur. Ben, fallait pas manquer. Ah ben, ça a pas manqué. L'autre, elle fait des cache-cache dans les festivals. Oh, d'accord. Celui qui me trouve aura une surprise. Ah ouais, tu m'étonnes que tu t'es retrouvé avec une journée, une soirée, avec 50 gars dans la bouche. Putain, c'est un truc de ouf quand même. Tu exagères, Adriana. Tu vois pas que tu exagères un petit peu? Et après, elle comprend pas. Relationships are hard in this industry. I currently do kind of live like a little bit of a lonely life. Guys only want to date me to like show me off to other people or their friends. They immediately treat me like Adriana Chechik, like experience, right? So like if I was going to go meet a guy, like they would never hold my hand or anything. The first thing they do is they try and like have sex with me. So it's really like disheartening, to be honest. And I've kind of just given up. I feel like, sadly, I actually feel like I might not ever find like a boyfriend like that. I might just end up being alone forever. Bah oui, Adriana. Malheureusement, j'ai bien l'impression que tu as raison. Que là, que finir seul pour toute la vie, oui, c'est fort possible. Bah, t'as quand même exagéré. En plus, tu n'as même pas essayé de garder ça secrète. On a parlé à tout le monde. Sur les réseaux, c'est la avis. Donc là, concrètement, bah ouais, les gars, quand ils commencent à avoir des dates avec toi, bah, t'es comme un trophée. Et ils sont contents de dire, ouais, Adriana, t'inquiète pas, moi aussi, je suis passé, voilà. Hey, mais tu voudrais qu'il te considère comme quoi, genre relation long terme, genre une épouse? Adriana, sans vouloir manquer de respect, non, c'est pas ça. J'espère que c'est... Non, j'exagère. T'as bien fait des blagounettes comme ça. Non, soyons sérieux deux secondes. Donc ouais, et en plus là, j'étais pas mis d'autre partie, mais il y a une autre vidéo où elle dit qu'en fait, les gars, ils ont du mal à me gérer, ils sont insécures, voilà, ils n'arrivent pas à encaisser mon passé. T'es sérieux? C'est pas qu'ils sont insécures, hein. C'est juste qu'ils sont repoussés. C'est juste dégoûtant, Adriana. Excuse-moi. En plus, tu donnes les détails. En une nuit, un festival, t'as sucé 50 gars. Et tu crois qu'il y a un gars qui va venir, il va dire, ah, elle? Tu sais quoi? Je le sens bien. Je sens qu'elle va être la mère de mes enfants. Même les plus fous, même les gars les plus fous, même les cibles, les bêtas les plus malades, je pense pas qu'ils pourraient.
Je pense pas. Vraiment, faut vraiment que t'aies vraiment. Tu descends en bas. Le gars, il a vraiment aucune option. Zéro, y a rien. Après, pour du court terme, évidemment, il y aura pas de problème. Hein, tu vas trouver. Jusqu'à un certain âge. Malheureusement, c'est la vie. Ce n'est pas moi. Ça sert à rien de me tirer dessus, les gars. Oh, voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Hein, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit avant de créer avec. Regarde quand même. Hein, et mon groupe des 10%, si tu veux en savoir plus, tu peux réserver un appel avec un membre de mon équipe. On va voir, on va s'arranger, on va t'expliquer. Oh les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.